Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 28 de Sur la route 28. Mon invité ce matin, invité exceptionnel en plein pendant les Jeux Olympiques, je vais recevoir un sportif de très haut niveau, Axel Alétru. Alors Axel Alétru, il va nous parler de son chemin de champion de haut niveau, de très haut niveau. On parle de champion de France, champion du monde, médaille d'or, Jeux Olympiques. Voilà, donc d'un très très haut niveau, ça va être extrêmement intéressant. Il va aussi nous expliquer en toute transparence son accident, puisque aujourd'hui il est athlète, mais athlète handisport, handicapé. J'ai la chance de le recevoir dans ma voiture, il fait un effort et je le remercie. Donc il va nous parler voilà, de sa résilience suite à cet accident. Comment il a réussi à rebondir puisqu'il s'est fixé encore d'autres objectifs encore plus fous pour aujourd'hui enfin discuter de ce qu'il fait, de son métier qui est conférencier, coach. Voilà, il va nous parler un petit peu de sa vie d'aujourd'hui à même pas 30 ans et de l'intégralité de son expérience où il a vécu quasiment plusieurs vies avant 30 ans. On reçoit tout de suite ensemble Axel Alétru. Salut Axel. Salut. Comment vas-tu? Très bien. C'est parti, on y va, merci d'avoir accepté mon invitation. Il fait meilleur à l'intérieur. C'est vrai, c'est le nord. Allez, c'est parti, on y va, sur la route, numéro 28. Axel, peux-tu te présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ok, donc moi, Axel Alétru, donc je suis conférencier. Je parcours la France pour donner des conférences dans les entreprises, sur des salons pour témoigner de mon parcours de vie. Ton parcours de vie. Effectivement, un parcours de vie qui est bien rempli et assez impressionnant. Quand on s'est rencontrés, je pensais en savoir déjà beaucoup sur toi et en fait, je savais rien et tu m'as encore appris plein de choses. Donc ton parcours de vie, explique-le un petit peu. En gros, c'est quoi ton démarrage dans ta carrière de sportif de haut niveau? Alors, j'ai eu plusieurs vies. Ouais. Ma première avec le BMX. BMX. Donc, j'ai fait du BMX quand j'étais très jeune, à peu près de 5 à 10, 11 ans. Donc, à 5 ans, tu étais sur un BMX déjà? En fait, j'étais toujours sur un vélo, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige. Ouais. Alors, mes parents, ils m'ont dit, tu veux faire du vélo, on va t'inscrire dans un club. Et on verra ce que ça donne. Simple, quoi. Voilà. Et finalement, ça a donné que je suis devenu trois fois champion d'Europe, trois fois champion du monde. Trois fois champion d'Europe, trois fois champion du monde, t'avais quel âge? J'avais entre 5 et 10 ans à peu près. 5 et 10 ans. Parce que j'ai été une année, j'étais champion du monde, l'année d'après, j'ai loupé. Oui, voilà. Entre 5 et 10 voilà. Ans, c'est fou. Mais en tout cas, ils avaient bien vu. Donc entre 5 et 10 ans, où nous, normalement, on est à notre petite table d'école. Je m'entraînais tous les jours, je me souviens, je rentrais après l'école, même le midi, entre ouais. Midi et deux, je mangeais, mais en deux minutes, puis après j'allais faire du vélo, le soir je rentrais, je faisais du vélo, j'étais toujours sur un vélo. Impressionnant. Ouais. Donc ensuite... Donc le BMX c'était bien, mais ça allait pas assez vite. ouais, on peut dire ça. Mais c'est après je me suis dit, je veux passer l'étape supérieure, et mon père faisait un petit peu de moto. Ouais. Et je me suis dit, je leur ai dit, je vais faire de la moto. Donc là, on a commencé, ils m'ont acheté une petite moto, ouais. Et tout de suite, j'ai eu des bonnes aptitudes par rapport au vélo, donc j'ai très vite progressé. Et là, pareil, je suis devenu champion de France, puis champion d'Europe, puis champion du monde. Et j'ai enchaîné les titres, et après, j'arrivais à un moment dans ma carrière où je me suis dit, est-ce que je me lance à fond dans la moto, ou est-ce que je continue les études? Ouais. Et là, j'ai fait le choix d'arrêter les études pour vraiment participer au championnat du monde professionnel. Championnat du monde professionnel en 2010. Motocross. Voilà, c'est ça. Impressionnant. Donc là, quand on dit champion du monde, ça implique que tu as fait plein de pays avant, que tu as fait plein de championnats. Ça implique que j'étais parti presque toute l'année en déplacement, j'ai fait le championnat d'Europe, j'ai voyagé partout dans le monde. À quel âge ça? De mes 12 jusqu'à 20 ans, du coup.
Ah, donc t'as fait plusieurs fois le tour du monde, quoi. Plusieurs fois le tour du monde. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des cultures complètement différentes. Donc ça a été une sorte d'école, mais... Et à cet âge-là, qui est-ce qui t'accompagnait? C'est tes parents t'accompagnaient partout ou... Alors en fait, tu vois, j'étais dans un team qui m'accompagnait sur les compétitions. Ouais. J'avais bien sûr des coéquipiers qui avaient le même âge que moi aussi. Hein, ouais. Pour pouvoir... on partait ensemble, en groupe, sur les compètes, sur les stages, sur les déplacements. D'accord. C'est comme les rockstars en tourbus sur les routes de France, d'Europe et du monde. on parcourait le monde, on allait s'entraîner l'hiver, bien sûr, au soleil, parce que dans le Nord, malheureusement, les conditions climatiques ne permettent pas. Bah oui. Donc des expériences vraiment inoubliables. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Le tour du monde, même pas 15 ans, t'as déjà fait le tour du monde, t'as vu plein de pays. Et puis t'es champion d'Europe. Voilà, c'est ça. Puis on rencontrait des gens vraiment de toutes sortes de pays, des cultures complètement différentes. On est arrivé dans des endroits jamais j'aurais été dans ma vie, quoi. Ah ouais, c'est clair. Parce qu'en Bulgarie, je me souviens, on a vu des choses de folie, quoi. Donc voilà, tout se passait bien. Tout se passait bien. Et alors ? Une première année donc chez les pros. Et presque à la fin de saison, sur le Grand Prix de Lettonie. C'est quoi un Grand Prix ? Alors le championnat du monde. Championnat du monde. Le mondial a 15 épreuves à peu près sur l'année. Donc là, on était à peu près à la 11e. Et j'ai eu... Donc là, tu es en train de rouler. C'est sur un circuit de championnat du monde. Tu es en Lettonie. Je me sens bien. Ouais. Je fais un bon départ. Ouais. Je suis dans les... à peu près, parce que pour ma première année c'était très bien. Ouais. Je me souviens encore, je passe devant les panneauteurs, mon mécanicien me dit lâche rien, continue. Le chrono il est bon. Voilà, et là j'arrive sur une bosse et je passe au-dessus de la moto. Ah, tu décolles. Ouais, et je ratterris sur le bas du dos et là, crac, ah ouais. Un grand crac dans le bas du dos. Putain. Et là, plus de sensation dans les jambes, plus rien. Donc là, la course elle est finie. Donc là, il n'y a pas que la course qui est terminée. Ah non, mais à ce moment-là, quoi. Là, je sens plus rien, plus aucune sensation. On m'évacue de la piste pour aller à l'ambulance, puis après à l'hôpital de Riga. Donc là, je sais tout de suite que c'est très grave. Hein. D'accord, tout de suite, ils t'annoncent qu'il y a un gros problème. Voilà, je leur dis que je ne sens plus mes jambes, j'ai aucune sensibilité. Je sais que ça va être... qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, quoi. Ouais. Même les autres me voient. En général, on se relève ou bon. Ouais, c'est reparti. Mais là, je bougeais vraiment rien. C'était un moment assez compliqué. Ouais. Donc là, tu pars à l'hôpital. Tu reviens en France. Comment ça se passe? Je suis opéré. On m'opère en Lettonie en urgence. D'accord. Donc faut savoir que la Lettonie, c'est très très. Enfin, c'est. Il y a un peu de retard par rapport. Ah ouais. À chez nous au niveau médical. Ouais. Donc je me suis fait quand même opérer dans des bonnes conditions malgré tout. Ouais. Des conditions difficiles après parce que j'étais aux soins intensifs seul. D'accord. Mes parents ne pouvaient pas venir me voir, c'est la loi en Lettonie. D'accord. On était plusieurs dans une chambre. Alors que normalement, au soin intensif, on est tout seul. Tout seul, d'accord. Le chirurgien qui venait me voir en tenue de civil, ah ouais, dans la chambre. Bonjour, monsieur. Donc, je disais, ah, ok, c'est une bonne ambiance. C'est normal. Après, je leur disais que j'avais mal au genou. Et ils me disaient, on va regarder ce que tu as au genou. À un moment, ils ne parlaient pas bien anglais, mais ils voulaient m'opérer de je ne sais pas trop quoi, alors que j'avais rien du tout au genou. Ah ouais. Les infirmières qui ne parlaient pas du tout anglais. Je voulais juste de l'eau, tu vois, j'avais soif. Donc ça, c'était compliqué. Je disais « water » en anglais, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, putain. J'étais tout seul, livré à moi-même, à 20 ans, paraplégique, privé de mes jambes. C'était vraiment très, 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 très difficile. Ah, tu m'étonnes. Au bout du monde, pas chez moi, au bout du monde, assez loin, presque. C'était pas facile, surtout que mes parents ne pouvaient pas venir me voir, j'étais tout seul. Donc ça a été un moment difficile, ensuite on m'a rapatrié en France. D'accord. Donc ici à Lille. Ouais. Petit moment compliqué dans l'avion aussi. Dans l'avion ? Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en fait on a eu un problème pendant le vol. L'avion est tombé en panne. C'est pas vrai. Ouais. Et donc là ils ont dû faire un choix de soit atterrir une nouvelle fois et me mettre dans un hôpital ou voler à basse altitude, non, très lentement. Ouais. Pour arriver jusque en France. Ouais. Donc je me suis dit, c'est pas possible, j'ai jamais arrivé chez moi. Et il y a quelqu'un qui m'en veut. C'est dingue. Et finalement,
En plus de ça, ouais, pendant le vol, j'ai été accompagné du médecin Drop Assistance, ouais. Qui était vraiment pas sympa du tout. Ça, je le fais remarquer parce que j'étais livré à moi-même encore, tout seul. Ouais, tout seul. Et le mec me demandait qu'est-ce que j'allais faire maintenant de ma vie. Ah oui, d'accord. Alors, tu vois, t'as plus tes jambes. Maintenant que t'as plus de jambes, tu vas faire quoi? Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? T'as arrêté l'école, la moto. Il me regarde dans les yeux, il me dit mais la moto c'est terminé. Oh putain. Je dis mais enfin. Avant, je l'attrape, je dis, ben, enfin, moi je veux plus parler. Un peu de pédagogie, ce serait bien. Et là, tu vas rire, la seule chose qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est d'aller dans le mini-bar du jet, ouais. Et aller se bourrer la gueule pendant le reste du vol. Oh merde. Alors, c'est un truc que ouais, j'ai trouvé. Ça, tu t'en souviens, honteux. Ça marque. Et ça marque. Ah, ça marque. Et heureusement, bon, tout le monde n'a pas été comme ça autour de toi. Voilà, bah heureusement, déjà, j'arrive en France et un ami ambulancier m'accueille. Ouais. Donc, un bien fou de pouvoir l'avoir. Ouais. Il me prend dans des bonnes conditions, il fait vraiment attention à moi. Et donc là, bah, on s'en va au CHR de Lille. D'accord, ok, t'arrives au CHR de Lille. Donc, CHR de Lille. T'es réopéré, il y a plusieurs étapes. Bah, moi, je demande en français qu'est-ce que j'ai exactement, parce que je comprenais pas, tu vois. Ah oui. Je me dis, parce qu'en en Lettonie, on m'a dit, bon. T'as plus de jambes, basta quoi. Enfin, on n'a ouais, pas dit plus. Les détails, donc on verra là, plus tard. Voilà. En France, j'arrive, est-ce que je vais remarcher? Et là, bon, le médecin qui vient me voir en me disant que ma moelle épinière est très, très, très endommagée. D'accord. Que ça va être très compliqué. J'ai eu un choc qui a brisé ma colonne vertébrale, pas entièrement, mais presque. D'accord. Et il me dit, j'ai envie de vous réopérer une nouvelle fois pour espérer une meilleure récupération. D'accord. Donc là, j'accepte cette nouvelle opération. Ouais. Donc on m'envoie au bloc, on me prépare. Là aussi, je me souviendrai toujours, le père d'un ami d'enfance qui était anesthésiste finalement. Ouais. Bien fou de pouvoir avoir quelqu'un en qui on a confiance. Qui était là. C'est une opération qui est très lourde, 8 ou 9 heures sur le billard. On peut faire parfois pire que mieux encore. Bah oui, oui, la moelle épinière. Donc voilà, ça m'a permis de me rassurer, de pouvoir échanger avec lui, c'était sympa. Et finalement, on m'a posé des 12 vis. D'accord. Dans la colonne vertébrale. D'accord. Avec des plaques pour fixer, stabiliser au mieux ma colonne. Donc voilà. Donc après, on me dit, bon, voilà, opérer, l'opération s'est bien déroulée. Ouais, c'est déjà quelque chose d'important. Ouais. Et on me dit que je vais aller dans une semaine en rééducation. Mais à ce moment-là, moi je suis dans un état d'esprit de guerrier déjà. Ouais. Où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne pense pas que la moto, tu vois, est terminée. Je ne pense pas que finalement que je resterai peut-être en fauteuil roulant un jour. C'est ce qu'on t'annonce quand même. Voilà, c'est ce qu'on t'annonce. Fauteuil roulant, tu marches plus, voilà, t'arrêtes tout. On me tout, dit quoi. Que je vais être paraplégique, il faut penser au fauteuil. Et là, moi je mets tout ça de côté et je me dis, on verra bien. Je vais. Je repars d'un point qui est zéro, finalement, ouais, enfin, ouais. Par les bras, mais pas de jambes. Et je me dis, tout ce que je vais pouvoir récupérer, ça sera du bonus. Et c'est de la façon dont j'ai fonctionné pour d'accord. pouvoir avancer, en fait. Déjà, le fait de rentrer en France, c'était déjà un soulagement, parce que, bon, en Lettonie, c'était des conditions très, très compliquées. Bah, oui. Et en France, déjà, je me suis dit, bon, c'est un soulagement. Et je me suis dit, tout ce qui s'est passé avant, c'est le pire. Maintenant, tout va pouvoir s'améliorer. Chaque jour, je ne peux aller que de l'avant. Mais comment t'arrives ? Parce que c'est facile, quoi. C'est facile. Tu le dis là aujourd'hui, avec sérénité, avec recul, mais sur le coup, quoi, quand t'es à l'hôpital et qu'on te dit tu marcheras plus, faut partir en rééducation. On en a pour plusieurs années. Ouais. T'arrives tout de suite à te mettre en mode guerrier. Bah, c'est-à-dire que à un moment, je suis là à l'hôpital, j'attends. Enfin, je souffre, hein, bien sûr, avec les plaques, tout ça. Ouais, bah, oui. Mais je me dis. Qu'est-ce que je fais ? J'attends sur mon lit d'hôpital à regarder la télé, à rien faire, ouais. Ou je commence à déjà faire quelque chose pour pouvoir avancer. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer à travailler. T'es jeune, t'as quel âge là à ce moment-là ? 20 ans. 20 ans. J'ai 20 ans. Après, voilà, je me dis, je pense qu'il faut commencer me suis donné l'objectif de remarcher. D'accord. Donc c'est pas un petit objectif. Bah non, tu t'es dit, je vais remarcher. Quand tout le monde te dit, tu es en fauteuil roulant, je veux remarcher. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Mais je me suis instauré un programme dans mon lit d'hôpital déjà. D'accord. Où j'ai eu mon accident, donc en Lettonie. Je sentais plus mes jambes, mais j'avais encore une mini contraction dans la cuisse de gauche. D'accord. Bon, très, très, vraiment léger. Hein, mais j'avais quelque chose. J'ai eu ma première opération en Lettonie. Après ça, je ne sortais plus rien. D'accord. Et j'ai eu cette seconde opération en France.
Et après ça, je commençais à ressentir une nouvelle fois cette petite sensation. D'accord. Et donc là, je me suis dit, bon, tu travailles dessus. Voilà, j'ai quelque chose, bah, je vais le bosser. C'est fou. Donc, je fais des séries de 10, 15. Dans mon lieu d'hôpital, je me souviens, il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pendant la mi-temps, là, je bossais comme un malade à chaque fois. Ouais. Et voilà. Donc, je suis vraiment dans un état d'esprit. De guerrier. Je ne pense ouais. pas ce qui s'est passé avant. Tu te projettes Je me projette sur l'avenir. D'accord. Et tu te projettes sur l'avenir. L'avenir, après, c'est quoi? C'est 2 ans de rééducation? L'avenir, je le connais pas pour l'instant. Bien sûr. Ouais. Mais mon avenir, je me dis, bon, c'est de faire le maximum pour essayer pour retrouver le plus de mobilité possible. D'accord. Donc, l'avenir, finalement, bah, naturellement, on m'envoie en rééducation. À l'Espoir, donc, qui est à côté de Lille. Ouais. J'ai fait le choix d'être à l'Espoir parce que c'était à côté de chez moi. C'est quoi. Pratique. Parce que, si tu préfères, il y a plusieurs gros centres spécialisés en France avec des centres spécialisés pour les sportifs de haut niveau. D'accord. Mais j'ai fait le choix de rester près de chez moi. Quand même. Ok. De là, une nouvelle fois, rencontre avec l'équipe médicale. Ouais. Une nouvelle fois, je dis, docteur, est-ce que je vais remarcher? Ça va être compliqué. Et là, il me regarde, il me dit, ça va être très compliqué. Moi, l'épinière qui est très endommagée. Mais on va tout faire pour que, bah, que je puisse récupérer au maximum. Donc là, on me présente ma kiné. Ouais. On me présente le programme et on me dit que dans 3 jours, je vais commencer la rééduc. Et donc là, bah, moi, hâte de commencer la rééduc, j'attends que ça. Je veux voir qu'est-ce qu'on va pouvoir me trouver pour que je puisse me faire progresser. Ouais. Donc là, j'arrive pour mon premier jour de rééduc avec Gaëlle, qui est ma kiné. Ouais. Donc j'arrive en fauteuil roulant, bien sûr. Déjà, pour me mettre dans le fauteuil roulant et rouler en fauteuil roulant droit dans un couloir, c'était pas si facile. Et elle me dit, bah, tu te mets sur la table de kiné. Bon, je dis ok. Bon, là, elle me pose un gros problème parce que j'arrive pas rien qu'à me transférer du fauteuil roulant à la table de kiné. Du coup, elle m'explique la technique. Elle me dit, bon, on enchaîne avec un deuxième exercice. Tu vas te tenir assis sur la table avec le dossier. Après, elle me dit, bon, je vais t'abaisser le dossier. Ouais. Tu vois, à ce moment-là, je me dis, mais attends, moi, je suis pas là pour travailler assis. Moi, je veux bosser à mi-contraction. Ouais. Je veux faire des choses qui sont utiles pour ma rééduc. Si c'est pour faire ça... Et là, elle m'abaisse le dossier. Et là, tu me crois ou non, je suis tombé. T'es tombé. Tu ne contrôles plus rien, quoi. T'imagines, c'est pour faire vraiment rendre compte aux gens, quoi, que j'arrivais même pas à tenir assis, quoi. Ouais. Assis, juste simple, sur une table. Et là, je peux te dire, quand tu sais pas tenir assis, tu te dis, waouh. Ouais, là, il y a du boulot. Moi, je veux être debout. Je veux remarcher. Et on me met sur une table, là, je sais pas tenir assis. Ça va être... Le parcours va être très un peu plus long que prévu quand même. Je me permets juste d'avancer un peu parce que là, bah, effectivement, tu es parti. C'est ce que tu m'as expliqué pour 2 ans de rééducation. Ouais. Et alors, pour pas mettre de mystère, au bout de 2 ans, et bah, tu te tiens debout et tu as quasiment atteint ton objectif. Alors, tu remarches pas, tu es en béquille, tu es en fauteuil encore aujourd'hui. Ouais. Mais tu es actif aujourd'hui. Ouais. Bon, après 2 ans de boulot à fond la caisse, vraiment tous les jours, 24h/24, tout ça. Ouais, c'était ton travail pendant 2 ans. Ouais, c'était... Il y en a qui se lèvent le matin et les rentrent le soir pour aller au boulot, toi, c'était ton travail. Ouais, mais plus qu'encore un travail, c'était pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Parce que je voulais remarcher au max. Récupérer du moins au maximum. Ouais. Je suis sorti finalement du centre de rééducation en marchant difficilement. Ouais. Donc, bon, pour expliquer un petit peu aux gens, j'ai récupéré une petite partie de mes muscles, mais pas la totalité. Donc, j'ai dû aussi adapter des attelles qui me permettent de pouvoir me tenir debout. Mmh. Donc, j'ai adapté des attelles qui me tiennent les pieds et qui me permettent de pallier à mes muscles qui sont paralysés. Mais tu dis ça de manière naturelle en expliquant, mais on rappelle juste que 2 ans avant, le diagnostic était radical, tu ne marcheras plus. C'est ça. Voilà. Et donc, à un moment, qu'est-ce qui dans ta tête a fait que y en a qui, à ce moment-là, se seraient effondrés et auraient laissé tomber? Ouais. Toi, non? Tu t'es battu, ouais. Et tu t'es même lancé un défi fou, pour en parler rapidement quand même. Tu t'es dit, le motocross c'est bien, c'est du sport de haut niveau, mais je peux plus en faire. Ouais. Bah, plutôt que de revenir tranquillement chez toi, tu t'es dit non, je vais faire un autre sport de haut niveau. Bah, j'avais 2 choix, soit je reprenais les études, parce que j'avais une 20aine d'années, ou soit me relancer dans le sport. Le sport c'était finalement toute ma vie, comme je t'ai pu te dire, le BMX, la moto depuis le plus jeune âge.
Et je me suis dit, bon bah, j'ai vu Oscar Pistorius à la télé, ouais. qui avait fait les championnats avec les valides. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, les JO. Les JO. Donc je me suis lancé pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016. Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, les JO. Voilà, je me suis dit, ma nouvelle vie, ça sera ça. Il a plus de jambes, participer il veut faire les JO. Voilà. C'est fou. Donc, bon, j'y connais, je me suis dit, en natation, alors pourquoi on me dit natation? Parce que je voulais un sport où je pouvais m'entraîner quand je voulais, ouais. Au maximum. J'étais pas du tout nageur. Ouais. Et finalement, j'ai décroché 12 titres. 12 titres de France, 3 records de France. Vice-champion d'Europe et je me suis qualifié pour les Jeux Paralympiques de Rio. C'est dingue. C'est. Quand on y repense, ouais. Ah bah oui, c'est dingue. C'est quand je reviens en arrière, mon accident, se dire bon, je vais me relancer pour les Jeux. Ouais, c'est assez fou. Là aujourd'hui, t'as quel âge? Je viens d'avoir 28 ans. 28 ans. Ouais. Et donc, bah, maintenant, cette phase-là aussi bah, de sportif de haut niveau, dire tu l'as atteinte, tu t'es sélectionné pour les Jeux Olympiques, tu as atteint ton objectif, ouais. et tu t'es dit maintenant je me lance aussi dans la transmission. Parce que bah, t'es... Bah, ouais, en fait, je recevais beaucoup de messages, comment j'ai réussi à rebondir après cet échec, de quelle manière. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube où je fais voir malgré le handicap, bah, les choses qu'on peut faire. Ouais. Et je me suis dit, bah, ouais, je mettrai les vidéos en commentaire, tu en mettras aussi, ouais. Il y a des choses impressionnantes. Il y en a une, bah, j'explique vraiment mon handicap qui est assez intéressante. Ouais. Et je me suis dit, bah, maintenant, je pense que c'est important de pouvoir, moi, d'inspirer les gens, de transmettre et de faire voir que malgré le handicap, on peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, on stigmatise souvent le handicap par une personne en fauteuil, ouais. qui ne fait pas grand-chose, qui reste chez elle à regarder la télé, alors que pas du tout, on peut faire tellement de choses en s'adaptant bien sûr et c'est ça que je veux bah, voilà, faire voir démontrer aux valides, valides et aussi aux personnes qui ont un accident et qui sont dans leur lit d'hôpital et qui se disent bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie et bah j'espère qu'en voyant mes vidéos en les inspirant à travers mes conférences et tout ce que je fais ils se disent bah moi aussi je peux faire ça comme moi j'ai vu Oscar Pistorius qui gagnait les Jeux, qui était une grande star et qui m'a inspiré, ouais. pour me relancer dans ma vie quoi. Et qui t'a donné envie d'aller plus loin et, ah, carrément. Que ces gens puissent voir aussi que toutes ces personnes puissent voir que bah, toi t'as, malgré toutes tes épreuves voilà. tu t'en es quand même sorti ça fait relativiser aussi sur bah, nos petits problèmes de tous voilà, les jours quoi. C'est pour ça aussi que j'interviens en entreprise bah, pour démontrer aux valides que quand on a toutes ces capacités on peut faire beaucoup de choses. Bah oui, c'est clair. Et on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Parfois, bon, j'entends quand je suis dans la rue des gens qui se plaignent de petits problèmes. j'ai envie de dire, bon, moi à côté, voilà. Ouais, ça fait relativiser, clairement. Voilà. Super, parfait. Bah, merci pour ton expérience et ton tour d'expérience. Impressionnant. Bah, merci à toi. On est à la fin de l'émission. La fin de l'émission, c'est la rubrique habituelle questions de l'invité. Lors du dernier épisode, mon invité c'était Frédéric Motte et il t'a posé une question. Il ouais. t'a demandé quel conseil tu pourrais donner justement à tous ceux qui ont eu un souci, qui sont en résilience et qui doivent rebondir, que ce soit à titre personnel ou dans l'entreprise. Ouais. Quand on est face à un problème, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils pour aller plus loin et te dépasser? Voilà, tu peux lui répondre directement. Bah, alors, moi je dirais accepter. Déjà, il faut accepter l'échec. D'accord. L'accepter sans colère et pour pouvoir continuer à avancer. Et puis comme je le disais, bon, enfin je l'ai dit, mais un échec dans la vie, quand on regarde la vie globalement, c'est quoi? C'est juste une étape. Ouais. Et ça peut même être une opportunité pour après. Après, moi, comment j'ai géré mon échec? Bah, quand je l'ai dit, je me suis refixé un objectif qui était assez haut. Mais pour atteindre cet objectif, je me suis donné des petits paliers. À chaque D'accord. fois, qui me donnait des petites victoires. D'accord. Et toute cette petit à petit. Ces petites victoires me donnaient envie de continuer à avancer et bien sûr bah, atteindre mon objectif. Après, voilà, moi, si je regarde en arrière, bien sûr, je me dis, bon, enfin, c'est pas vraiment un échec, c'est un accident, c'est un traumatisme. Mais voilà, je regarde devant. Si on regarde toujours en arrière, bah, l'échec, on peut toujours se le remémorer. Comment j'aurais pu faire si ouais. éviter, machin. Non. Voilà, maintenant, on peut pas revenir en arrière. En 2018 pour l'instant. C'est clair. Donc, on continue à avancer. Donc, il faut avancer. Et sur toi, la route. C'est sur la route, exactement. Je te remercie. Voilà, accepter l'échec ouais. et avancer sans colère. Mais l'accepter colère. Sans colère, parce que si on l'accepte avec la rancune, bah,
c'est pas bon, ça peut pas marcher. Et c'est ce que tu as fait, en fait, tu as fait, alors c'est pas un échec comme tu dis, mais tu fais des échecs, enfin des problèmes, des victoires en fait, et un apprentissage des expériences. C'est ça, ouais. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir dans ma nouvelle vie. Et puis aujourd'hui, bah, je pense que c'est à mon tour de pouvoir inspirer les gens, d'intervenir pour pouvoir donner les clés que parfois les gens n'ont pas forcément, les aider à pouvoir se trouver ces petites clés qui permettent d'atteindre des objectifs ou pouvoir absorber un échec qui quelconque dans sa vie. Tout le monde a... Enfin, je connais personne qui a une vie parfaite, sans problème. Non, on a tous des petits soucis. On a tous les petits soucis, chacun son échelle, bien sûr. Ouais. Donc, voilà. Super. Eh ben, écoute, c'est impressionnant. Très bonne méthode. Merci. Aller de l'avant. C'est ça. Mon prochain invité sur la route, c'est Bastien Donien. Il est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Les Paniers de Léa, qui est connue pour apporter, on va dire, des fruits, des légumes, du bien-être en entreprise. On parlera de ça avec lui la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, lors du prochain épisode. Est-ce que tu as une question à lui poser à Bastien ? Alors, moi, j'aime pas du tout les légumes. Alors, s'il y a quelque chose dans l'entreprise, je vais me sentir un peu exclu. Donc, comment je vais pouvoir participer ? Comment je fais pour me sentir bien ? Comment je fais pour me sentir bien, avoir le bien-être sans fruits ? Parce que je n'ai vraiment aucun fruit. Aucun fruit, pas les légumes, les fruits. Les fruits, ouais. Ouais, tu manges pas de légumes quand même. C'est ta maman qui va pas être contente. Ouais. Aucun fruit. Bah écoute, tu vas nous répondre donc lors du prochain épisode. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Très bon. Voilà. Super. Merci beaucoup. Exceptionnellement, c'est la fin de l'émission. Je t'invite à rester avec moi dans la voiture pour conclure. Ok. Voilà, pour t'éviter de sortir de la voiture. C'est très bien comme ça, on va faire comme ça. Donc juste, tu peux conclure avec moi. On a vu avec toi plein de choses passionnantes, ton parcours de champion. Ouais. On a vu ta résilience, ouais, impressionnante, du handicap aux Jeux Olympiques. Quoi, ouais. C'est fou quand même. Ouais. Un parcours dingue. Je te demandais la dernière fois, quand on discutait en préparant l'émission, qu'est-ce qui fait la différence entre le fait que quelqu'un qui abandonne et le fait que tu as réussi. Tu m'as répondu. Il y en a qui ont envie de faire les choses et moi j'avais envie, mais vraiment envie. C'est-à-dire que c'était une question, comme j'ai dit, de vie ou de mort. De vie ou de mort, quoi. C'était, j'avais vraiment envie. Et clairement, c'est ça qui a fait la différence. Parce qu'il y en a qui disent moi j'ai envie de changer de. J'aimerais bien changer le monde. J'ai envie de changer de boulot. Mais ils font jamais. Mais il y en a qui disent moi j'ai vraiment envie, je vais le faire. Ouais. Et ça, je pense que ça résume bien. La différence dans le succès et dans la réussite, dans le fait de progresser, c'est on en a envie, comme tout le monde en a envie. Voilà. Et toi, tu en as eu vraiment envie. Envie, voilà. Bon, plus que tout. Super, merci encore. Donc, je le disais, la semaine prochaine, alors pas la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, mais au prochain épisode, dans 2 semaines, mon invité, c'est Bastien Donien. Il est le fondateur des Paniers de Léa. Et avec lui, on va discuter donc entrepreneuriat, start-up, et notamment du fait qu'il a dû complètement réinventer son entreprise pour éviter de déposer le bilan, tout simplement. À un moment, il s'est retrouvé face au mur, son modèle n'allait plus, et il a décidé de tout changer. Et il l'a fait 2 fois, ça, pour la sauver, et 2, pour la développer. Et là, je coupe 2 secondes, mais par exemple, tu vois, là il a été face à un mur, par exemple, et du coup, il a vraiment dû avoir envie. Exactement. Et du coup, là, tu dois réagir. On voit les points communs. Quand on est vraiment face à un mur, on doit réagir. Et là, il y a une envie qui devient différente. Ouais, une envie, une obligation quasiment. Une obligation, mais qui te donne plus envie de rebondir. Ben voilà, j'espère que cet épisode vous a donné envie de vous bouger, d'agir, de faire. Je pense qu'avec ton témoignage, on n'a que envie de se bouger le cul quand on voit ce que tu as vécu. J'espère. J'invite les gens à aller voir ma chaîne YouTube, du coup. On mettra plein de commentaires, plein de liens dans les commentaires. On mettra tout ce qu'il faut. C'est cool. N'hésitez pas à lui poser des questions si vous souhaitez continuer la discussion avec Axel. Très bonne semaine à vous. Salut, à mardi prochain, 9h. Bye. À bientôt.